C'est dans cette période de l'expulsion des Juifs d'Arabie qu'apparaît Ka'ab al-Ahbar, un Juif yéménite converti à l'islam. Il a traversé la moitié de la péninsule pour rejoindre Médine, le siège du califat, où il s'apprête à marquer profondément la tradition musulmane. Ka'ab al-Ahbar est un personnage fascinant. Son nom signifie l'associé. Mais l'associé de quoi? Selon certaines théories, il était l'associé d'un midrash ou d'une médersa, une école juive. Ce qui veut dire qu'il avait une sorte d'autorité rabbinique ou une éducation rabbinique. Il semble qu'avant sa conversion à l'islam, Ka'ab al-Ahbar était un érudit juif. Et qu'une fois converti, il aurait joué un rôle très actif dans l'enseignement de la tradition juive aux musulmans. De nombreux écrits le décrivent comme un très grand érudit juif. Ka'ab al-Ahbar tombe à point nommé. Grâce à son éducation juive, il maîtrise la tradition hébraïque. C'est lui qui va nourrir l'interprétation du Coran, des récits populaires et bibliques issus de la culture juive. Grâce à lui, les premiers musulmans se familiarisent avec les grandes figures du judaïsme. Moïse devient Moussa. Joseph, arrière-petit-fils d'Abraham, devient Youssef. Le roi David devient Daoud. Et son fils Salomon, qui a bâti le temple de Jérusalem, devient Suleyman. Les récits de Ka'ab al-Ahbar et de ses continuateurs sont connus sous le nom d'Israéliat. C'est par ces récits que des pans entiers de la tradition juive sont devenus partie intégrante de la culture musulmane.